Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. اللهم صل. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc retenez, lorsque le musulman il a un petit temps, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des plus belles choses que ta langue peut prononcer. Une des plus belles choses que ta langue peut faire, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et il y a un très grand savant musulman qui s'appelle Ibn al-Qayyim. Répétez. Ibn al-Qayyim. Al-Jawzi. Al-Jawzi. Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim. Al-Jawzi. Al-Jawzi. Il a cité 40 raisons pourquoi on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va en citer quelques-unes. Premièrement, comme on a dit, Allah Azza wa Jalla, il nous a ordonné dans le Coran de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on obéit à Allah et on le fait. Également, parmi les choses importantes, c'est qu'on a dit qu'il y a des anges qui cherchent ceux qui prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, à chaque fois que tu pries une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala prie sur toi 10 fois. Également, Allah azza wa jal, il t'augmente de 10 degrés. Tu auras 10 récompenses et Allah t'efface 10 péchés. Donc regardez l'importance de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se verra pardonner tous ses péchés par Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. Toutes les erreurs que tu as faites, les bêtises, des fois les gros mots peut-être que tu as dit, et bien quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et bien Allah azza wa jal te pardonne tes péchés. Également, c'est un moyen de gagner la shafa'a. Répétez, ash-shafa'a. Ash-shafa'a, c'est le fait de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pardon, al-shafa'a, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour nous. C'est-à-dire que si on a fait des bêtises, eh ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à Allah, après qu'Allah lui ait donné l'autorisation, il va demander à Allah azza wa jal de nous faire entrer au paradis. Également, celui qui prie beaucoup de fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra qu'Allah azza wa jal va lui soulager ses tristesses. Lorsque tu es triste, lorsque tu as besoin d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va t'aider. Également, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Également, imagine que dans tes poches, tu as plein de sous et tu distribues tous tes sous aux pauvres. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien.
et bien à chaque fois que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si que tu avais fait une sadaqa. C'est comme si que tu distribuais ton argent aux pauvres. Également, à chaque fois que tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien les anges vont prier sur toi. Les anges vont demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner tes péchés. Également, celui qui prend l'habitude de toujours prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici Allah azza wa jal va l'aider toute sa vie. Allah tabaraka wa ta'ala va l'aider. Également, Allah azza wa jal, il va le purifier. Allah, il va lui donner une place importante. Il sera mis en valeur. Également, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien Allah tabaraka wa ta'ala va lui protéger contre toutes les mauvaises choses au jour de la résurrection, toutes les choses douloureuses au jour de la résurrection. Également, comme on a dit, lorsque tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam te répond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te répond. Ensuite, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous permet de nous rappeler des choses que l'on a oubliées. Quand tu as oublié quelque chose, et ben le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas t'en rappeler. Également, c'est très important, lorsque l'on se rencontre, lorsque l'on est dans une assemblée, dans une assise, c'est important de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va permettre d'embellir cette assise et de faire en sorte qu'au jour de la résurrection, on ne va pas regretter. Également, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça repousse la pauvreté. Assieds-toi bien, Mariam. La personne ne sera pas pauvre. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il va lui faciliter dans sa vie. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui entendait son nom et qui ne disait pas sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bakhil. Répétez, un bakhil. C'est quoi un bakhil? C'est un avare. Un avare, c'est quelqu'un qui ne veut jamais donner quelque chose, qui ne veut jamais partager. C'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est une mauvaise caractéristique. Et est-ce que vous voulez être des boukhala? Est-ce que vous voulez être ceux qui ont été appelés comme ça? Non, dans ce cas-là, à chaque fois que tu entends le nom du prophète, qu'est-ce que tu dis? Également, celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera guidé vers le paradis. D'accord? Également, sachez que tout le monde devra passer par l'enfer, car au-dessus de l'enfer, il y a un pont. Il s'appelle As-Sirat. Répétez As-Sirat. As-Sirat, c'est un pont qui passe au-dessus de l'enfer. Et ce pont, il est plus fin qu'un cheveu. Et il est plus tranchant qu'une épée, qu'un sabre. Et il fera tout noir. Mais celui qui prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il aura de la lumière lorsqu'il devra passer par ce pont. Et il y en a qui passeront comme l'éclair. Tellement ils auront fait des hasanats, ils vont rien voir du tout. Ils vont passer comme l'éclair. Il y en a d'autres qui vont passer comme le cheval au galop. Un cheval qui est rapide. D'autres, ils vont passer comme celui qui court. Et d'autres, ils vont marcher et ils vont tomber. Parce qu'en dessous de ce pont, c'est quoi? C'est l'enfer. Et c'est ceux qui ont commis des péchés, qui ont désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui n'ont pas écouté les ordres d'Allah, azza wa jal, qui n'ont pas fait leur prière. Car à partir de 7 ans,
on fait combien de prières par jour? On fait les 5 prières par jour. Ou 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou plus, et bien vous allez à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus rater une seule prière. Vous allez faire vos 5 prières, parce que celui qui ne fait pas ses 5 prières, il ne pourra pas aller au... Il ne pourra pas aller au... Également, celui qui prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sera préservé contre le fait d'avoir un cœur dur, contre le fait d'avoir un cœur mauvais. Donc il y a encore énormément de choses à dire sur l'importance de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va gagner le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wa sallam. Et surtout, et on termine, le dernier point que l'on cite, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous dites sallallahu alayhi wa sallam, vous faites des du'as pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on demande à Allah de l'évoquer en bien, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger, de le préserver contre toutes les mauvaises choses. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc qu'est-ce qu'on doit dire quand on entend le nom du prophète? Qu'est-ce qu'on doit dire? J'ai pas bien entendu. Et à chaque fois qu'on entend le nom du prophète, on dit « Sallallahu alayhi wa sallam ».